concrètement, là je pense qu'il faut encore travailler. Donc il y avait PLU, accueil des nouvelles populations, comment faire qu'elles s'intègrent au territoire, et puis avec cette préoccupation de rester attractif pour ne pas fermer des classes. C'est intéressant de voir comment ça peut vous appuyer dans la construction d'un agenda 21. C'est qu'un outil. Comment ça peut initier un dialogue ou autre, comment ça peut initier des actions. Alors, Danielle Mathiez, je suis conseillère municipale à la mairie de Moisy-sur-École en charge de l'agenda 21. Alors, la cohésion sociale sur Moisy-sur-École, qui est une petite commune, un village rural, c'est déjà un bien-être entre les gens, communication de chaque instant, et puis permettre aux gens d'être à leur écoute, d'essayer d'harmoniser au mieux la vie de chacun, dans les besoins sociaux, dans les besoins de santé, dans les besoins culturels. Intéressante ou à rejeter dans un premier temps. Et puis justement dans une seconde séquence de travail, on pourra justement formaliser des nouvelles propositions d'action et ça vous servira de support justement. L'outil de cohésion sociale là, qui est tel qu'il se présente par ce jeu de cartes est vraiment très intéressant. Je trouve que ça ouvre le dialogue, ça permet d'avoir des idées qu'on n'aurait pas eues dans une simple réunion. On a plein d'idées, là d'ailleurs j'ai vu quand on fait la conclusion, chacun il y a des idées à retenir et puis à développer, donc il y a une bonne participation, tous les gens se sentent concernés, il y a une émulation, c'est vraiment, on partage un peu les mêmes idées. Et là, ce qui avait été évoqué par exemple, c'était le jardinage. Si dans les communes, ça communique bien, les gens ils adhèrent au système. Je suis bien placé pour le savoir. Je m'appelle Jérôme Ménard, je suis adjoint au maire à Moisy-sur-École. Il y a une très forte demande de participation de la population pour s'octroyer le territoire de la commune pour les loisirs, pour de la détente, pour revivre sur le terroir. Enfin, pour moi, c'est un outil fort pertinent parce qu'il nous aide, il nous apporte des conseils et une aide pour mettre en place un environnement qu'on souhaite rural. Cécile Dubois, je représente le parc naturel régional du Gâtinais français. Je suis chargée de mission éducation au territoire. L'utilisation de cet outil est assez pertinent. Ça permet en fait de communiquer plus facilement et de faire émerger les idées. Et surtout de proposer par rapport à des idées peut-être qui sont un peu floues ou globales, des choses très concrètes. Pour moi, cohésion sociale et développement durable, ça ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. On a besoin des deux, et c'est vrai que le côté social est souvent un peu mis de côté avec le développement durable. Et cet outil-là, ça peut peut-être permettre de le réintroduire dans les agendas 21 et les projets de développement durable. Donc je suis Jean-Marc Revelin, j'habite à Moigny. J'ai la chance effectivement de travailler sur la commune, donc ça me permet de me déplacer régulièrement, rencontrer des gens. J'ai des enfants en plus qui sont scolarisés sur la commune. Je rencontre pas mal de gens et ça m'a donné effectivement envie de participer à l'agenda 21 et puis d'essayer apporter quelque chose à la cohésion, à la rencontre entre les personnes, entre les enfants, les adultes, les plus jeunes, les plus vieux. La cohésion sociale, pour moi, ce que ça apporte, je pense que c'est essayer de faire en sorte que chacun se retrouve et puisse aussi se référencer pour avoir une identité sur la commune, être reconnu en tant que tel sur la commune,
ne pas oublier son patrimoine, l'histoire de du village, et puis les enfants qui amènent aussi beaucoup de vie, beaucoup d'énergie. Et... L'outil cohésion sociale m'apporte le fait que je prends vraiment conscience de l'utilisation de chacune des générations dans l'évolution de la commune. Le fait de s'impliquer, ça donne envie de se rencontrer et puis d'aller vers les gens et puis de les autoriser à venir vers nous et puis en plus pouvoir échanger, faire des rencontres et puis animer ensemble voilà, la vie autour du village.